Ouais, shalom, shalom. Soyez bénis en cette date d'aujourd'hui, 6 novembre 2018. Mardi 6 novembre 2018, vous recevez la grâce de Dieu chez vous. Soyez puissamment et pleinement bénis dans le nom de Jésus. Je suis à Lyon, chez moi à Lyon. Et là, j'ai décidé comme ça de rentrer en cuisine. Pour vous faire une sauce prophétique. Et la sauce, tout à l'heure, c'est une sauce. La sauce de la gloire. Elle est prophétique, la sauce de la gloire. Ouais, shalom à vous. Donc, je suis sur ma page Facebook. Il y a mon épouse qui dit qu'elle manger sauce graine. J'ai dit, ben attends, tu sauce graine, tu vas voir un peu de quoi je suis capable. Donc, je vais vous montrer comment on fait la sauce graine prophétique. Je suis là chez moi à Lyon. Ok. Donc, vous allez suivre un peu le menu prophétique. Voilà, ça va commencer comme ça. Mia. Tiens. Le menu prophétique. Ça va, c'est comme on voit. Voilà, donc c'est le menu prophétique. Le menu prophétique. On va commencer par d'abord mettre la casserole. Une casserole. Vous allez peut-être vous poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas trop de questions. Hein? Je suis à la cuisine. Voilà, je suis à la cuisine. Je suis à la cuisine là. Voilà. Un peu d'eau dans la casserole. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est votre sauce graine ici. C'est dans les boîtes. La sauce graine. Ça c'est. Voilà. La sauce graine. Nia, tu veux mettre ça dans mes narines ou bien? Voilà. C'est ça la boîte ici. Là-bas, pile. Tantique pile. Ou bien, Osia pile. Ou bien, Nia pile. Nia pile. Si c'est dans la boîte. Ouais, graines en pile, et puis. Voilà, donc c'est la sauce graine. Voilà. La sauce graine. Voilà. Et comme ça, il faut rendre la cuisine très propre. Il faut éviter de faire des guéni, de poser ça ici. On redépose ça ici. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne après. Essayez de mettre un peu d'eau. Voilà. Et l'eau à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Ce que ça va donner. Bien. Voilà. Bon, au village, vous savez, pile hein, dans le mortier. Un truc comme ça en pile, passoire, tout ça, pour faire le jus, n'est-ce pas? Mais ici, c'est déjà dans la boîte, ok? Ici, déjà, la chose est déjà dans la boîte, ok? Tu vois un peu le coup? Voilà, ici, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, tu laisses bouillir un peu. D'accord? Tu laisses bouillir un peu juste le temps que je
Voilà. Ok. Je vais essuyer le couteau. Parce qu'il faut que ça soit propre, il faut que tout soit propre dans la cuisine. Laissez pas la saleté, s'il vous plaît. C'est pas trop gentil. Respectez un peu les femmes. Hein. Faut pas que ça soit propre, du moins sale. Vraiment, j'aime ça ici, comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Mais pour moi, j'ai l'aubergine. C'est ça la particularité du prophétie. Vous avez c'est sauce claire ou bien. Restez tranquille, vous les jaloux. Chacun sait ce qu'il met dans sa sauce, puis ça devient goût. D'accord? Voilà, donc, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ma cuisine. Oui, la particularité aussi, il y a la viande de porc. Je suis désolé pour vous qui n'aimez pas manger du porc. Oui, avant, quand j'étais musulman, parce que je suis né dans une famille musulmane, ben, on ne mangeait pas du porc. Mais le jour où j'ai mangé le porc, j'ai rendu témoignage. Donc, mais le porc, c'est la viande blanche. Heureusement. Mais là, les gens, donc, aujourd'hui, on va couper ça comme ça, tout légèrement. Voilà, on coupe ça comme ça. On découpe ça comme ça. Puis attention, il ne faut pas faire comme tantis, bourgeois, qui se blesse la main et puis le sang reste bon. Doucement. Comme ça. Voilà, comme ça, comme ici, voilà, voilà. Et puis tu récupères et tu commences à jeter ça un peu dans la sauce, voilà, dans la sauce, et tu attends que ça arrive, ça va mouiller un peu, voilà, avec une poisson à l'intérieur, une poisson. Voilà. Poisson. Le poisson. Voilà. On va le faire à l'intérieur. Poisson. Voilà. Voilà. Elle dit, ah, j'aime bien manger la sauce graine. Elle dit, ben reste tranquille, tu comprends. Tu passes tout ton temps à prendre des coups de fil. Ça s'appelle Garou Bessoura. Tu prends tout le temps à prendre des coups de fil. Et en temps, pendant que la chose fait, vous commencez à laver les assiettes, c'est important. Vous lavez comme ça les assiettes. Hein? Vous lavez les assiettes. Vous les lavez, c'est important. Vous les lavez. Le temps, ce petit temps là, pour commencer à s'occuper un peu de la cuisine, la propreté de la cuisine, tout ça c'est important. Voilà, il faut commencer à laver les petits trucs comme ça, il faut les laver. Ne jouez pas avec ça. Après la prophétie, on est des êtres humains. Et puis, il faut aider la femme, c'est important. Il ne faut pas passer tout son temps en train de manger seulement. Les mangeurs, ne faites pas la cuisine, là. Le feu sur vous, là-bas. Faites de temps en temps la cuisine. De temps en temps. Voilà. Parce que c'est important. C'est important. C'est très important, même. Faites la cuisine. Lavez quelques fois les assiettes. Pas mauvais. Voilà, laver les assiettes. Autant que les choses. Voilà, c'est ce que je voulais. Ce petit temps, quand vous faites une pause, vous voyez, et pour vous laisser ce petit temps, vous rincez comme ça la main. Vous venez rincer la main parce que tout ça, ça compte beaucoup. Faites propre. Ok? Prenez l'oignon. Vous mettez l'oignon à l'intérieur. L'oignon, comme ça, ça va commencer les odeurs, tout ça. Vous commencez à mettre les oignons. Vous commencez à foutre les oignons. Ah, les oignons. Et puis, voilà.
le Bombo frais. On descend deux. 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 Ok. Tu voulais manger du la sauce quoi? La sauce graine. La sauce graine. Et puis quoi encore après? La tu vas faire ça déjeuner demain matin. Ricocher. Ricocher. Oui. C'est quel esprit ça? Je vous donne un secret dans la vie, occupez, ne prenez pas votre temps en train de s'occuper de méchanceté des gens. Parce que c'est important, prenez la peine de regarder votre destinée. Regardez ce à quoi Dieu vous a appelé, parce que ce à quoi Dieu vous a appelé, c'est votre destinée. Vous êtes maître aussi de ça. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Regardez, soyez objectif dans la vie. Et ça, c'est beaucoup très important. Quand vous vivez jasmané, sagesse manée pour rencontrer le vrai visage des gens. Vous allez voir que les gens qui prétendaient vous aimer vont vous fuir. Vous allez voir le vrai visage de ceux qui vous aiment en réalité, seront là à vos côtés. Comme les femmes, jusqu'à la résurrection est avec Jésus. Vous allez voir des gens qui vont vous renier sans savoir ce qui se passe. Et vous allez voir les véritables amis qui seront toujours prêts à payer le prix pour vous, parce qu'ils croient en vous. C'est ce qui est vrai. Mais après la persécution, après Gethsemane, vient la gloire. Parce qu'en réalité, il y a de l'estime et l'amour. Le vrai amour, c'est dans les épreuves. Et la véritable femme, c'est elle qui est capable de soutenir son mari dans les moments difficiles de sa vie. Hommage à mon épouse, celle qui est juste derrière. Voilà. Et c'est cela que je suis trop près pour elle. Voilà. J'ai l'habitude de faire même ça, je fais la cuisine. Voilà. Voilà. Il faut que tu manges bien, franchement, tu le mérites. Hein. Merci, chérie. Il faut que tu manges bien. Et puis, je veux faire l'eau chaude et te masser, tu vois. Masser ton bras, tes pieds. C'est gentil. Voilà, te masser. Et puis comme ça... Faut que tu manges bien. Pendant ce petit temps, vous profitez encore, vous continuez de laver les assiettes. Il ne faut pas qu'il y ait un temps mort. Qui va laver ça, ta place, mon ami? Elle est fatiguée. Oui, elle est fatiguée. Oh non, chez nous, au village, on n'a pas machine pour laver les trucs. Elle me montre la machine. Non, je ne suis pas là faire des machines. Je fais comme au village. Voilà. Ce petit temps-là, je prends le temps de me débarrasser de tout ça parce qu'elle est fatiguée. Je ne peux pas l'emmerder encore, franchement. Je l'aime bien, elle est fatiguée. Je travaille trop. Trop de coups de fil en semaine. Alors, je suis les soeurs chez mes poussus. C'est-à-dire, manger la dent du piège. Oh, cette année, la fin d'année. Que Dieu vous protège contre les œuvres de la sorcellerie, vous comprenez? Que le Seigneur vous protège contre les œuvres de la sorcellerie. Et ça, c'est beaucoup très important. Une vision, le jour où vous aurez une destinée, quand vous avez quelque chose de très fort, vous allez voir que les ennemis vont commencer à vous attaquer. Vous comprenez, quand vous avez quelque chose de très important, les gens vous attaquent. Le jour où David, n'est-ce pas, non, où Joseph a eu un rêve, il a commencé à expliquer son genre, il a été victime de beaucoup d'attaques, beaucoup de méchanceté, tout ça. Ils l'ont jeté dans un puits. Ça, c'est un peu l'homme qui a appelé à la grandeur.
Ils vont te jeter dans le puits pour t'engloutir. Comme dans le psaume 35, David dit, n'est-ce pas, ils m'ont creusé une fosse. Donc ça arrive bien dans le psaume 35. Ils vont vouloir t'engloutir, vous dites c'est fini, ils vont vouloir t'attaquer. J'ai toujours dit, généralement, ceux qui vous attaquent savent ce qui vous représentez. Ils savent très bien qui vous êtes. Parce que si vous n'êtes rien, ils n'allaient pas vous attaquer. Si vous n'êtes rien, ils n'allaient même pas s'intéresser à votre vie. Et puis d'ailleurs, celui même qu'on attaque, lui, il dort. Il dort. C'est vous qui vous fatiguez. Cherchez à savoir qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il fait. Et il y a des gens, leur joie, c'est de voir des personnes malheureuses. Or, moi, ma joie, c'est de créer une crèche. On a une vision, mon épouse et moi, et toute la fondation, tout l'ONG, c'est d'aller créer une crèche. On veut créer une crèche pour commencer à enseigner déjà les enfants, pour préparer, n'est-ce pas, le complexe scolaire. Nous avons cette vision-là. Pour nous, c'est comment aider les gens. Moi, je suis content quand je vois les enfants manger. La fondation, les orphelins mangent, les gens sont délivrés. C'est là où je tire plus ma joie. Il y a les gens qui tirent leur joie quand ils attaquent, quand ils insultent, quand ils vilipendent. Ce n'est pas pareil. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce qui t'anime, c'est de faire du bien aux gens. Ce qui t'anime, c'est d'apporter le bien-être autour de soi. Ce qui t'anime, c'est d'aider les gens. Et ça, c'est beaucoup très important. Parce que l'Esprit dit, la Bible dit, l'esprit mauvais ou l'esprit méchant. Nous avons un esprit qui est saint. Et quand l'esprit est saint, il y a un saint en toi, ce qui t'anime, c'est de pouvoir aider les gens à aller très loin. Alors apporter le soutien qu'il faut, n'est-ce pas? Et quand les gens sont en difficulté, toi tu pleures. Voilà. Et tu as envie de les aider. C'est pour ça qu'on ne dort pas. On ne dort pas, on dort tard. N'est-ce pas? On se réveille tôt. Pour prier, pour booster la foi des gens. Dans le groupe WhatsApp, on essaie de faire que les soutenir. Et c'est ça le combat. La différence, c'est pour ça que, vous savez, je ne suis pas le genre qui veut toujours me justifier par rapport à certaines choses. Mais quand vous savez que Dieu est avec vous, et que les gens rencontrent des méchancetés sur vous, vous vous fermez vos bouches, parce que mon énergie, ce n'est pas de faire comme eux. Mon énergie, qui est l'énergie qui est à moi, c'est d'aller bâtir l'église de Dieu, c'est d'aller évangéliser, c'est d'aller chasser les démons. Point bas, c'est réfléchir comment aider les enfants en difficulté, comment réaliser nos rêves d'aller voir les enfants orphelins en Centrafrique, parce que c'est un pays en guerre, n'est-ce pas, qui vient à peine de sortir de la guerre. Nous prions encore pour ce pays, encore au Libéria, encore dans les pays, Somalie, les enfants en difficulté en Afrique, comment leur apporter nos soutiens? C'est ce qu'il y a à nous. Voilà, donc on ne s'appelle pas à vouloir détruire la vie des gens. Encore là, apporter. Si cette femme te baisse le feu. La sauce, elle doit faire ça, d'accord? Elle doit continuer, la sauce graisse, c'est ça? Le feu est trop fort, tu baisses? Non, c'est pas fort. La sauce a des graisses et des caprices. Elle est très capricieuse, cette sauce. Il ne faut pas rentrer dans son jeu. Elle va vous la faire. Tu lui dis doucement. Je ne rentre pas dans ton jeu, mais tu as vu, elle va commencer. C'est la mousse là, viens voir. La mousse, quand elle est blanche comme ça, quand la mousse reste blanche comme ça, ça veut dire nia, c'est pas encore cuit. D'accord. Oui. Quand la mousse reste blanche comme ça, ça veut dire ça n'a encore rien fait. C'est des petits caprices, mais ça va aller. Ça va aller, les petits caprices. La sauce, elle est capricieuse. Mais on fait avec. On vous dit bon courage à vous. Le jour où vous aurez une étoile, j'ai envie l'étoile de Jésus, l'enfant Jésus. Ils ont commencé à attaquer l'enfant Jésus. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à faire tout ce qu'on pouvait faire. Comment une étoile de Jésus-Christ peut, un enfant peut emmerder les gens? Le diable t'attaque parce que tu es important. Le diable a affaire à toi parce que tu es très important. Si tu n'es pas attaqué, tu n'es pas important. Vous avez une bonne vie, les gens qui sont là. Qui sont derrière les tombes. Personne ne part, c'est fini, on les a oubliés. Mais le jour qu'on va commencer à t'attaquer, c'est pour dire que tu es important. Dis-toi que tu as une importance. Si tu n'es pas important, on ne parlera pas de toi. Tu n'es pas important, on ne t'embrouillera pas. Viens voir, viens voir. Voilà, tu vois, non? L'huile va commencer à sortir, un peu d'huile, d'huile. Ça veut dire que ça commence, et puis tu vois, la blancheur change de couleur, attend de disparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'huile.
tu vois, tu es en train d'apparaître. Ça veut dire, ça va vers la cuisson. Ok. Tu vas, je veux que tu manges bien. Franchement, tu le mérites. Il faut que tu manges très bien. Ok. Il faut que tu manges très bien. Et puis, je veux faire de l'eau chaude. Comme j'ai acheté des massages à truc, je veux te masser. Ok. Et puis demain, je vais t'envoyer au glacier. Tu choisis un restaurant, d'accord. Il faut que je te fasse manger. Il faut que tu manges. Voilà, c'est important. Il faut que tu manges, frère. Il faut que tu manges. Voilà, donc c'est les gens qui. Ben, tu vois, là. Toi, tu es. Toi, ce grain-là, tes caprices. Tu vois, c'est un peu ça. Les caprices, la sauce grecque. Le feu, les Mais ça doit faire ça un peu, d'accord? Oui, mais là, c'est vrai. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, tu veux manger ça avec la cali ou bien la sauce? Qu'est-ce que tu veux manger? Du riz. Ok, sinon je peux te prendre demain. Demain, tu veux manger riz couché? Oui. Hein? Oui. Comme Grilili. Tu veux manger riz couché comme nous là? Riz couché. D'accord, pas de soucis. Et quand ça sera couché, demain, moi-même je vais me réveiller, d'accord? Pendant que tu seras en train de dormir, je vais me réveiller et puis venir faire, n'est-ce pas, le riz couché, d'accord? Je vais te montrer comment on fait le riz couché. Le riz couché, tu mets la sauce en bas et puis tu mets le riz là-dessus. Ouais. Ok? Et puis tu laisses, ça fait des petits gratins. Quand tu finis de manger, ça va te piquer le sommeil. Et va dormir. C'est fini, tu vas avoir des révélations prophétiques. Voilà, c'est un petit caprice comme ça, bizarre, la sauterelle. De temps en temps, il faut nettoyer la cuisine. Il faut payer tout ça, c'est important. Il va dire, ah, non, j'ai fini de préparer, toi-même, vous venez laver. Attia, tu fais quoi? C'est tout ça qu'on appelle cuisine. Quand tu prépares, il faut nettoyer. Ne fatiguez pas les femmes. Aidez les femmes un peu. Quand vous avez trouvé une bonne femme, j'ai toujours dit, le jour où je trouve ma femme, et je sais que cette femme-là, elle est prête pour moi, je serai prête pour elle. J'ai déjà dit ça. Chaque jour, j'ai dit ça. Dans mes prédications, allez-y dans mes prédications. Le jour où on fait caméra cachée à San Pedro, j'ai dit, il y avait quelqu'un dans ma vie. D'accord? Et le jour où je vais me marier, vous saurez ça. Les gens s'intéressent à la vie des gens. Maintenant, j'ai trouvé ma femme. J'ai ma femme, je suis marié. Voilà, je suis marié. Vous êtes allé rencontrer les choses, là, ah, le prophète, ah. La même dame dont vous avez parlé, elle a fait une vidéo. Elle vous a bien dit. Elle s'appelle Guédé Juliette, pas Madame Crasso. Elle et moi, c'est une question de longtemps, plus de 9 ans, qu'elle et moi, on est même pas ensemble. Vidéo à visage de couvert. Elle met plusieurs vidéos. Ça ne m'intéresse même pas de répondre à tout ça. Elle vous a prouvé A plus B qu'elle n'est même pas dans mon affaire. Elle sait, moi je sais. Les gens vont rencontrer, non, il a poussé à faire une vidéo. Donc si moi je la pousse à faire une vidéo, allez là, allez, puisque c'est vous qui êtes en contact avec elle, vous prétendez être en contact avec elle. Allez la voir. Elle n'a qu'à faire une vidéo. Pourquoi elle ne fait plus les vidéos? Elle a fait une vidéo et la vidéo, moi, je vais la récupérer plus tard. Bref, moi, je ne réponds pas. Je ne suis pas là pour répondre aux imbécilités. Moi, je ne réponds pas aux imbécilités. Ah non, il a poussé. Donc elle me respecte. Alors. Vous avez pas vu une femme, depuis quand une femme, on l'a trahi. Depuis quand une femme, on la trompe. Depuis quand une femme. Et puis, elle va accepter, gaillardement, bêtement, venir faire une vidéo à la con pour se justifier, pour protéger cette personne qui la maltraite. Mais arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Je l'ai toujours dit. Je suis à Divo. Je l'ai toujours dit, j'ai personne, je n'étais pas marié. Voilà. Parce que cette personne est sortie de ma vie depuis 10 ans. Personne de ma vie. Et je n'aime pas parler de cette personne parce que c'est la mère des enfants. Je n'aime pas parler d'elle. Et j'ai toujours vécu ma vie. Je n'ai pas vu une femme qui pense qu'elle est avec quelqu'un. Et la personne vit seule, en Grèce, plutôt à la Ribera, qui à Divo, elle n'a jamais venu revendiquer son droit de femme de monsieur. Et ça ne lui dit rien. Et c'est maintenant où le monsieur, qu'elle apparaît, elle vous a bien dit, moi j'ai demandé, elle a dit, elle n'a rien à voir avec tout ce qui est en train de se passer. Je dis, mais moi,
On me dit que c'est toi qui m'attaques. Elle dit qu'elle n'a rien à voir. Ok. Et plus tard, la femme fait une vidéo et vous dites que c'est moi qui l'a poussé. Ah bon, moi, je sais pousser les gens à faire des vidéos. Si moi, je savais pousser les gens à faire des vidéos, ça veut dire chaque jour, elle allait faire des vidéos. Chaque jour, elle allait faire des vidéos. Mais comme je suis quelqu'un, je ne réponds pas à des clashs. Je ne suis pas DJ. C'est DJ, on clash ici, on parle mal ici. Moi, je suis pas. Je suis très sage. Je suis très intelligent. Je ne suis pas bête, je suis très intelligent. J'ai ma femme. Là-bas, je suis juste derrière la caméra. Elle s'appelle Maman Pinceau. Que j'aime. Elle est trop près pour moi. Ceci est vrai. Et la dame amène en question, Guédé Juliette, la connaît. Elle la connaît. Ça va, ta femme? Oui. Elle vous a bien dit, ça fait plus de 10 ans qu'on n'est plus ensemble, visage découvert. Vidéo. Grasso. Tu as fait quoi ces gens-là? Moi, je me donne plus d'envie. Je dis, je suis important. Continuez. Mais ma vie est entre la main du Seigneur. Ma vie est entre la main du Seigneur. Tout ce que vous rencontrez, c'est du gâchis-faux. C'est du faux. C'est ça que je ne réponds pas. Ça ne m'intéresse même pas. Je ne me laisse même pas distraire. Ça ne joue même pas sur mon moral. Ça ne me distrait même pas. Je ne me laisse pas distraire. Je continue mon travail, je continuerai mon travail. Amen. Elle vous a bien dit, je ne suis même pas dedans. Ce que vous êtes en train de dire, le monsieur dont vous parlez là. Hein? Ça fait plus de 10 ans qu'on n'est même plus ensemble. Continuez de me combattre. C'est pour vous qui est grave. Vous ne dormez pas. Moi, je dors. Hein? C'est magie, c'est elle, tout ça. Oh, ça va venir. Ça va venir. Tu vois, je pense que c'est bien fait. Tu veux pas rajouter un peu d'eau? Vous voulez, tu veux jeter un peu? Jeter un peu d'eau? Parce que vous savez comment on fait la sauce prophétique? Non, je suis en train de voir. Mais laissez-moi faire, madame. Ok, chef. Laissez-moi faire la sauce prophétique. Venez voir. Chérie, viens. Tu as vu? Tu vois, non? De l'huile en train de prendre maintenant le dessus et le blanc commence à changer, d'accord? Le blanc, ça fait. Ça, tu as déposé ça ici devant Babé. Madame Denis, on vous invite. Hein. Il va manger. Je me suis marié, pourquoi vous êtes contre ça? J'ai toujours dit, il n'y a pas de foi dans ma vie. Maintenant, j'ai toujours ma foi. Pourquoi vous me dites? Vous dormez, vous avez vos femmes, vous avez vos familles. Moi, je ne m'intéresse même pas à vous. Vos vies ne m'intéressent pas. Vous rencontrez des choses à la con. Vous sortez ici, vous rentrez ici. La dame même, là, que vous avez dit, le prophète avait ça, le prophète avait ça, le prophète avait ça. Elle est venue vous faire une vidéo. Et vous, les gens disent non, il a poussé cette dame. Ah, moi, je peux pousser une femme qui est contre moi. Elle fait une vidéo. Elle est malade ou bien. Pour rien comme ça, elle va venir faire une vidéo, s'asseoir pour dire le monsieur là, ça fait plus. Et puis elle est malade, je l'ai envoûté ou bien. Merci Marie. Allez lui dire de faire une vidéo. Comme vous avez pu être en contact avec elle, vous ne la connaissez même pas. C'est la question que j'ai posée. Vous la connaissez, vous ne l'avez jamais vue. Elle ne vous connaît même pas. Ben dit, papa, tu vas mettre trop de sel dans la sauce. Il n'a qu'à fermer sa bouche, le monsieur. Venez, madame. Oh, monsieur, ferme ta bouche là-bas, s'il te plaît. Voilà, ça commence à cuire un peu, tu vois. Ça commence à être un peu lourd. C'est ces caprices-là, c'est cela que soit graine, vraiment. Tu veux que je t'aime? Non, chérie. Non, tu es une princesse. Une princesse, elle s'assoit. Une princesse, elle s'assoit. Elle regarde et puis, tu vois, laisse-moi préparer. Tu es trop précieuse. Une femme qui est prête pour moi comme ça. C'est un cadeau que Dieu m'a donné. Ah. Dieu m'a donné un bon cadeau comme ça, et puis moi j'ai joué ça pour quoi? Wow. Ça va venir. Vous qui regardez, je vous invite. Si je vous invite,
Vous êtes venu en esprit, je vous attrape. Donc je vous invite. Mais quand on va se voir un jour, je vais vous inviter à Lyon chez moi. Vous allez rendre témoignage. Voilà, vous allez rendre témoignage. Tu sais ce qu'on va faire de l'humour. Merci, Bibi. Bisous, bisous. Voilà, je vais rester un peu. Tu vois, c'est ce qu'on va faire du djoumlé. Je te dis un peu. Ce djoumlé là, il a une particularité. Quand on se met sur la sucrée, voilà, et que ce n'est pas la sauce jasmanée, voilà. De temps en temps, on coupe l'eau parce qu'il faut, faut. Voilà, voilà. Je vais mettre de l'eau. Voilà, juste un peu. Chérie, juste pas te prendre la tête, mais je vais baisser ton feu. Parce que ça crame en dessous. Vas-y. Voilà, au moins merci. Comme ça, ça fait petit à petit, voilà. Voilà. Maintenant, fais voir ton doublé. Voilà. 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 Voilà, donc, comme ça. Faut pas faire, les gens vont venir ici en esprit et pourtant je vais les attraper. Celui qui s'envole, tous les aéroports sont fermés. Je ferme tous les aéroports mystiques. Celui qui essayait de s'envoler pour être ici, il va rendre témoignage. Il rendra témoignage. Témoignage. Comme ça, quand c'est comme ça, puisque j'ai mis le djoumlé, c'est quand même un peu d'eau. Voilà, bravo mon bébé. Quel talent. Mais tu es une princesse. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Hein? Tu as raison mon bébé. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? C'est vice versa en plus. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Voilà, donc, viens voir. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, après tout, nous faire ressortir que la cuisson n'est pas trop loin, tu vois. Donc, du coup, j'ai mis un peu d'eau. Tu as vu, ça commence à cuire à petit feu. Et puis, lui, il a commencé à apparaître, d'accord? Lui, il va commencer à apparaître. Qui est déjà là-bas? Et le feu, dis-je-lui, et il se vient bien d'esprit. Celui qui vient en esprit ici, le feu sur vous. Oui, c'est important de cuisiner, c'est important. La cuisine, voilà, voilà, dans un petit feu, maintenant ça va cuire. Un petit feu. Voilà, maintenant c'est le temps d'assaisonner pendant que ça fait ça. Et tu sais que j'ai, voilà, comme c'est toi qui voulais manger. Oui, sinon, voilà, sinon la sauce graine là. Oui. Mais c'est simple. Il est déjà à Paris, oh, j'ai envie de manger. Pour un jour, ça ne fait pas de mal. Oui, j'ai envie de manger la sauce grenier. Ah, okay. Laisse-moi te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Je dirai tout pour toi. Bon, celui qui s'amusait à venir en esprit ici, regardez seulement, ne venez pas en esprit. J'ai une Bible. C'est pas gentil, hein, on fait la sauce devant vous. Yako, hein? Les Ivoiriens disent Yako. Yako. Ça va aller. Hein? Faut qu'on invite les enfants ici, hein? Bien sûr. À Lyon. Avec plaisir. À Lyon. Viens manger avec nous. Ce jour-là, il sera à la cuisine. Voilà. Ce sera à la cuisine ce jour-là. Sauce. Alléluia. Il y avait quoi? Le bouclier sur la sauce.
Fais sur toi là-bas. Amen, béni. Laisse le Seigneur être bouclier sur la sorte. Si toi tu viens bouclier, on ne pourra plus voir les poissons. Hein. Tu vas mettre ta bouche, tu vas tout manger. Donc nous dit viendra tester la sauce et après ne sondez pas les autres bientôt. Super. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde la sauce, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a rien à dire. Hein. Après, laisse-moi goûter. Tu n'as même pas envie de te brûler. Oh ma chérie, faut pas que ça te brûle. Ah ouais, Denis, vous ratez quelque chose, c'est très bon. C'est très bon. Très 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 bonne sauce. C'est comme ça. Mais n'oubliez pas l'hygiène. J'ai toujours dit, le jour où je me mariais, je rendais cette femme heureuse. Voilà. Une femme qui va me supporter avec mes caprices. Il va supporter mes caprices. Ah, la femme. Il y a femme, puis il y a femme, hein. Il y a les femmes quand tu as problème, mais boring. Là, il y a les femmes quand tu as problème, là, elles t'enfoncent dedans même. C'est là même tellement tu as mis sucre dans l'aubergine. Par contre, il y a d'autres femmes, elles vont t'aider à t'en sortir. La beauté d'une femme, c'est son cœur et son caractère. Voilà. Voilà, viens voir, viens voir, viens voir. Tu vas faire ton riz maintenant ou... Regarde d'abord, comment tu trouves la sauce. Ben, l'accompagnement, c'est le riz. Rien à dire. Il y a femme et puis il y a femme. Quand tu vas dans un magasin, c'est toi-même qui décides de choisir. Si tu as choisi quoi, tu 45, entends tu choses 40. Si tu as marché comme bougie, c'est toi qui as voulu. Chacun voit et puis choisit. La femme, c'est son caractère, cette capacité d'aimer et de soutenir l'homme de sa vie. Voilà, d'aimer et de soutenir. Voilà. Si vous voulez grandir dans la vie, ne tenez pas compte de tout ce que les gens regardent. Rencontre autour de vous. Soyez objectif. Parce que c'est l'arrivée qui compte. C'est comment vous allez finir votre test. C'est ça qui est plus important. Pas ce que les gens rencontrent. Voilà. C'est ça qui est plus intéressant. Voilà. La sauce. La sauce. Voilà, donc je vous montre la sauce. Voilà, vous voyez, voilà, voici comment on fait une sauce, on est parti d'un point à un autre point, voilà. Tu mets l'eau à la bouche, chérie papa. Tu mets l'eau, Yako. Voilà, l'huile est bien sortie. L'huile est bien sortie. Voilà, vous voyez un peu ici, ça bout doucement, doucement. Non, ça veut dire qu'on va avec la cuisson.
a déjà piment dedans. C'est pas encore prêt pour manger. Vous pensez que ces démons sont morts, ils sont chassés. Vous pensez que ces démons sont morts, nous on s'est chassés quoi. C'est souvent là la cuisine, c'est important. Il faut de temps en temps faire la cuisine pour sa femme. Au fait, je viens en esprit. Celui qui vient en esprit, je l'attrape. Et puis je le délivre. Voilà, donc c'est. Elle a décidé, elle veut, n'est-ce pas, voulait la sauce graine. Voilà, fait la sauce graine. Elle dit, mais reste tranquille, va dormir. Repose-toi. Je te promets de faire une bonne sauce. Tu vas manger. Et tu seras à l'aise dans ta tête. D'accord. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, Chant Naki, si tu es venu en esprit ici, c'est la maison du maréchal de la brigade anti-sorcier. Si tu viens en esprit ici, tu vas rendre témoignage de ton esprit. Voilà donc, je dis, reste tranquille, je fais la cuisine. Voilà donc, pour vous dire que de temps en temps, allez dans la cuisine, faites la vaisselle, ça ne fait rien, nettoyer les choses, ça ne fait rien. Voilà, donc ici, ma sauce. Voilà. Voilà, ça commence. Voilà. Une sauce prophétique. Ça commence à cuire. On n'est plus trop loin de la cuisson. C'est pour faire le riz. Oui, non, ça va, ça va. Laisse l'oignon d'abord. Prenez soin des femmes, ça c'est important. Voilà. Viens, viens voir. On sent la tête 60. Voilà. Et ça comme ça on peut. Voilà. Ça. Avec le plakali. Je rends témoignage. Le grand goût de plakali. Quand c'est comme ça, il y a un peu de colo dedans et puis tu rends témoignage. Voilà, ça ressemble à la sauce de Ozo en village. Tu fais voilà, l'oignon comme ça.
mets le riz comme ça dedans. Vous allez dire ça à l'eau ou bien. Quand on le fait cuire le riz, tu cuis le riz. Mais tout ça c'est prophétique. Tout ça là c'est prophétique. Voilà. Suivez seulement, ne parlez pas. Vous avez seulement que des yeux pour regarder. Celui qui se mêle, il a un problème. Vous regardez. Ça là, je vais te servir après, d'accord? Je t'arrange la table. Je t'arrange la table terriblement. Et tu manges. Tu vas te reposer. Donc que tu manges bien. Que tu te reposes très bien. Nous sommes chez nous à Lyon. Hein? Qu'est-ce que se passe? On dit le riz, elle va manger, elle va faire déjeuner demain matin. Toi qui regardes la vidéo, ferme ta bouche. Je vous informe que je suis sur ma page Facebook. Nous sommes à Lyon, chez nous à Lyon. Mon épouse et moi, ben voilà, nous vivons à Lyon. Voilà, donc j'ai décidé de faire un repas. Elle parlait depuis Paris, qui voulait manger. De la sauce graine, mais prophétique. Il dit, ben, j'essaie déjà de faire la sauce graine, mais le prophétique, on met un peu d'aubergine dedans et tout ça. Et puis, il faut faire plaisir à sa femme, c'est important. Voilà. Et puis aujourd'hui, quand elle m'a fini de manger, c'est important. Nous avons quelques. Nous avons. J'avais présent besoin de ça, être heureux. Voilà, dans une vie de couple, il faut être heureux. Je vous ai déjà dit, pendant des années, le jour où je me mariais, je rendais cette femme heureuse. C'est vrai que j'ai des caprices, hein, je suis capricieux. J'ai des qualités et puis des défauts. Mais j'aime ma femme. Voilà. Je sais apprécier les bonnes choses. Je sais me battre. Je sais aider. Je sais faire avancer les choses. Parce que c'est qui à moi. Je ne m'attelle pas trop sur certaines choses et tout ça. Voilà, donc ce qui à moi, c'est de faire du bien aux gens. Elle ne te lâche pas. Hein. Elle dit, mais maman ne mange pas beaucoup, donc tout ça. Voici Vente là, est partie. Vente était enflée là. Vente est partie. Donc, on va manger ça un peu. Il est bientôt 16h. On mange un peu le soir. Maintenant, demain matin, le riz couché. Tu vas manger le riz couché. Elle me demande ça. Voilà, mes demandes, ça. Je lui fais plaisir. Voilà, viens voir, rien. La sauce, elle est cuite maintenant. Ça, je confirme et puis je valide. Elle est cuite. Bon, vous qui regardez, ayez pitié de nous. Heureusement que ça ne rentre pas dans vos narines. Heureusement que c'est. Vous n'avez pas ça ici dans les larines. Sinon, celui qui s'est amusé à venir un esprit ici, à avoir Bougnon, voilà. Dis-moi. Voilà. Toi qui aimes le riz, tu me rajoutes un peu d'eau, non? Non, ça va.
J'ai dit aujourd'hui, tu fais rien, tu ne fais que. Voilà, laisse-moi te faire plaisir. J'aime trop travailler aussi. J'aime une femme comme ça. J'ai dit, tu as fini avec la cuisine. Hein? Qui? Madame Donny. Hein? Mais toi, tu as tes fautes dans le bas, moi. Jésus en haut, il s'est veillé, mais. Là, Jésus en haut, il s'est veillé, mais. A pensé. Et là, il a Jésus, moi. Jésus en haut. Amen, il s'est veillé, mais. Où Jésus m'a levé la tête à mon père. Ta famille, Belsago. Je ne vais jamais oublier. Voilà. Jésus m'a donné une table, une femme, une mère. Je l'aime. Elle est prête pour moi. Voilà. Je vous ai déjà dit ça. Plusieurs fois. Allez regarder mes vidéos en arrière, avant. Voilà. Jésus, moi. Souvent, il faut écouter les femmes, hein, parce qu'on dit que c'est ce que tu dis. C'est vrai. Je te connais. Tu me connais vraiment. Amen. Amen, amen, amen. C'est la grâce de Dieu. C'est quoi la bande amen, hein? Caméraman même là, c'est elle qui répond. Non, elle me dit, maman, tu as eu un bon mari dès. Là, je dis amen, c'est la grâce de Dieu. Ah, moi aussi, j'ai une bonne femme. J'ai une bonne femme. On te persécute, elle m'a dit bon courage. Je suis avec toi. Je suis prêt. Il y en a combien comme ça? Sauce là, on dirait que c'est arrivé à destination et j'arrive à la gare. Tout ça devait arriver. Viens voir. Franchement, il faut que tu manges bien aujourd'hui. Tu as vu un peu là. Il faut que tu manges très bien aujourd'hui. Il faut monter dans les narines de la sauce. Tu connais les narines de la sauce? Voici les narines. Ouh, monte les narines de la sauce. Master Chef. Les gars, voici la sauce. Nous montrons les narines de cette sauce. Fais sur les maplaos, tu as raison. Voilà. Je vais lui demander quoi, Lorette. Bon, les gars, on s'excuse de vous avoir donné, on dit quoi, l'eau à la bouche. Oui. Mais quand il y a trop de l'eau dans la bouche, va verser ça. Va verser. C'est pas mauvais. Fais plaisir à ma femme. Plaisir. On dit, est-ce qu'on peut trouver une femme vertueuse? Il n'y en a pas assez. Ma prière, c'était d'avoir une femme qui allait m'aider. Je ne donne pas. Je donne, ne venez pas ici. C'est pas à Bape où tu viens sans dire j'arrive. Tu y allais, à Bape. Il y a des gens même. C'est à midi 15 minutes qu'ils arrivent. Laurent dit qu'on est mauvais, nous les deux amoureux. C'est à midi 15 minutes, ils arrivent. Où la femme même, elle commence à voir la sauce en train de dire. Mon cousin est là, il n'est pas en route. Donc, tu t'es passé pourquoi? Non, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut avoir le journal? Est-ce qu'il peut regarder la télé? C'est le beurre de la cuisine. Hommage à toutes nos femmes. Que Dieu bénisse nos femmes. Franchement, vous méritez d'être honorés, c'est important.
Celui qui veut m'aimer, il m'aime. Mais tu ne peux pas m'aimer plus que ma femme. Celui qui veut m'haïr, il n'a qu'à m'haïr. Mais moi, je suis enfant de Dieu et serviteur de l'Éternel. Je continuerai de faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Si vous voulez croyez à mes détracteurs, ça n'engage que vous. Si vous voulez soutenir moi, ça n'engage que vous. Moi, je sais, je crois à ma destinée. Je suis convaincu que j'arriverai. Je vais arriver. Je suis convaincu que l'Éternel est le Dieu de ma vie. Je suis convaincu que dans ce combat, j'ai déjà la victoire. Quelqu'un vous a bien suivi? Il attend. La même la dame dans la ligne. Non, je suis guédé, Julien. Voici Madame Krasou qui est derrière. Chez nous, on dit Boribana. Il y a plein de choses, je n'avais pas envie de me prononcer là-dessus. Parce que je ne suis pas. Ce n'est pas mon ministère de me justifier, de rentrer ceci, cela. Ça m'est égal. Tout ce que vous êtes en train de faire, en train de vous dire, en fait, ça m'intéresse même pas. Allez faire l'œuvre de Dieu. Mon projet actuellement, c'est d'aller construire une crèche. Les enfants sont en train de mourir dans les hôpitaux. Récupérer ces enfants-là, hein, dont les mamans sont tuées, de les récupérer, s'occuper d'eux, aller voyager dans les différents pays, dans le monde, dans l'Afrique, aller aider les enfants, aller faire l'œuvre de Dieu. C'est ça mon problème. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Heureusement, je suis en train de m'occuper de ma vie de couple. Et ça, je vous dis aussi, je suis marié. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'œuvre de Dieu, mais il y a aussi le ministère, il y a la famille. Voilà, je suis en train de vivre ma vie de couple. Voilà, donc je marche en ce rythme-là, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de ça. Ah, papa, tu viens quand? Mais ici, c'est l'œuvre de Dieu. On m'a vu ici en train de, dans les champs de cacao. On m'a vu dans le champ de vergine ici. C'est l'œuvre de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur pour le culte passé. Voilà, nous avons vécu des moments terribles ce dimanche-là. Encore le dimanche prochain, nous serons encore dans une action prophétique. Doublez de force dans la prière. Continuez de combattre. Continuez, n'est-ce pas, de combattre. Dans le nom de Jésus. Quand on va vouloir servir, il faut que les gens ne nous regardent pas. Parce que j'ai mangé quand on mange au village. Viens encore monter les narines de la sauce. Voilà. Que la vidéo s'est coupée. Hommage à cette grande dame. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes à. Merci pour le repas. Oh, bisous. Mmh. Bisous encore. Et bisous. Mmh. Et bisous. Je t'aime, mon bébé. Moi aussi, je t'aime beaucoup, chérie. Ben, nous sommes en train de finir. J'ai finalisé le repas. Elle avait envie de manger quelque chose de potable. Et je suis allé faire la sauce. Prophétique graine. Récoucher demain matin. Récoucher demain matin. Et c'est important. Ouais, lui, Yadara, shalom à toi. Voilà, shalom. Que Dieu vous donne de meilleurs maris et de meilleures épouses. Et si le monsieur il était là, il ne préparait pas seulement, que Dieu lui donne l'onction d'aller un peu dans la cuisine. Amen. C'est chaud cette semaine-là. Nos femmes l'avons nous envoyé dans la cuisine. Aller de temps en temps dans la cuisine, c'est important. Ce n'est pas un péché. Donner repas demain pour Edith, hein? Repas demain, Ben Sago, repas demain, Aïdara. Aïdara, il faut aller demain. Faire quoi là? Aïdara, va faire quoi là? Donny, va aller faire son jumelé. Pas la fin, hein? Et Ben Sago, tu fais le. Comment on fait le repas des ébriers là? À Téki, ce soir? Non, lui, il dit, il n'a qu'à aller faire quoi là? Ben Sago, va aller faire quoi là? Donny, il va faire jumblé.
Et puis tu fais bas, et puis à moins. Bas, et puis moins. Et Aïdara, il fait quoi? Hein? Aïdara, il fait quoi? Non, il l'a qu'à faire copain. Bon, non, pas de que Dieu nous de la paix, monsieur. Non, c'est pas ça. Aie pitié de la paix. Tu veux qu'elle rêve la paix ou quoi? Aie pitié de la paix. Aie pitié de la paix, s'il vous plaît. Donnie, aie pitié. Voilà, donc, allez faire des sauces. Donnie n'a qu'à faire sauce bambi à moins. Et puis, plaît. Bas. Pelé, puis à son bas. Pelé, puis bas. Et dis-toi pas pour toi demain, Denis, en cuisine. Hein? Denis, tu rentres en cuisine, porte une culotte. Tu portes une bonne culotte. Tu vas faire une sauce Yakuba. Ah, ça c'est une sauce. C'est une sauce. Pelé, puis à bas. Oh, on dit, tu viens quand? Je suis avec ma femme. Je suis en train de vivre ma vie de couple. Je viens quand là? Bientôt. Voilà. J'ai l'église ici. Mais très bientôt, je serai avec vous. Tu vas venir en stage, tu connais les coûts. 20 euros de l'heure. Hein? C'est pas 50. C'est pas l'heure, c'est minute. Ah, moi, minute, en fait, 50 euros la minute, Denis. 50 euros. Tu connais le, tout ça? Bah, et puis à moins. Il faut aller faire bas à moins. Le riz? Voilà. Il faut toucher ça un peu. Ça va? Ouais, ça va. Bon, il faut... Non, non, mais les cuis-moi et... Non? Faut tourner juste un peu. Bon, je vous manque, mais je suis Mario. Mais Divo m'attend, c'est chez moi, Divo. Très bientôt, dans quelques jours. Voilà. Aïe, tu as cuisiné quoi? Ça en jette. Je vous arrête. Après, je vais. Laisse-moi m'occuper. Vous voyez, cette femme, elle n'aime pas se reposer. Dites-lui pardon. Aujourd'hui, là, elle n'a qu'à me laisser m'occuper d'elle. Demande-lui pardon. C'est mon jour. J'ai compris. Laisse-moi m'occuper de toi. Oui, papa, j'ai compris. Laisse-moi m'occuper de toi. C'est mon jour. Elle est dans la cuisine encore, mais elle est versée. Laisse-moi nettoyer, faire la vaisselle. Moi, je te laisse faire. Laisse-moi tout. Tu feras les larvins aussi après. Moi, je ne connais pas là. C'est ce que je veux faire, comme ça, on se pose. Oui, c'est qu'elle mange les blancs. Moi, je connais ce plat là. Soit du blé, soit copain, soit sioko. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc c'est ça, on est en train de faire la cuisine. Tu voulais jeter ça? Voilà, il faut te reposer aujourd'hui, William. Je repose, Denis, t'inquiète pas, je repose. Tu le mérites. Tu repose. Je suis la gardienne du temple, je surveille un peu, c'est tout. Mais je surveille. Tu as besoin de quelle surveillance encore? Voilà, donc le menu, tout est prêt. Qu'est-ce que je vais? Je te sers. Prends mon bébé. Tu as mon bébé, je vais te servir. Et puis... Je veux que tu manges. Je veux prendre ça comme ça dans la cuillère et te mettre dans la bouche.
Je mène à la bouche. Voilà, donc tu en as fait une cuisine. Voici ma sauce. Ah, où est-ce que ces démons sont mal chassés? Voilà, elle est prête la sauce. Elle pense que ces démons sont mal. Je suis en train de préparer encore, me dit maman est malade, il faut venir prier pour maman, s'il vous plaît, que Dieu guérisse ta maman. Mais aujourd'hui là, c'est mon temps de repos. Je suis en train de m'occuper de ma femme au moins, s'il vous plaît. Mais je prie pour que Dieu guérisse ta maman. Mais chaque jour a son temps. Ma femme, elle veut manger de la sauce graine, je suis allé faire le marché. Fais plaisir à ma femme. Waouh! Montre-le aux gens, s'il te plaît. Comme ça. Montre-le aux gens. Montre-le. Voici le riz. Vous pensez que c'est chassé des démons seulement et c'est fait. Ah, la sauce est jolie, mais pas venir en esprit. Hein. Viens ici en esprit, on va t'attraper. Donnie, il faut faire les mêmes choses, bas moins. Bas et puis à moins. On veut voir ça. Filmer. Hein. Voilà. Bas moins. Aïdara, il faut aller dans la cuisine. Toi, c'est pas quelle sorte. Faut faire ci encore. Regarde ici encore. Ben Sago. Vous faites faire plat là. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Allez-y, top, hommage aux femmes, que nos femmes recevaient la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse les femmes, que Dieu continue de vous protéger. Ben Sabou, il faut préparer sauce, voilà là ta femme, voilà là, puis tu mets bolo dedans. Vous mettez bolo dedans. Les femmes, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu, les femmes. Que Dieu bénisse les femmes. Que Dieu vous bénisse, nos mamans, les femmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, n'est-ce pas, exauce tous vos vœux, tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Et nous, les hommes, c'est ça toi là, tu veux quoi? Voilà. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que la main de Dieu repose sur vous. Les gens ils veulent toujours qu'il fasse ministère. Voilà, donc que Dieu bénisse. Facilitons la tâche à nos femmes de temps en temps. Voilà, la sauce maintenant elle est cuite, ça dit, elle ne bouge même plus. Elle fait la sauce même là. Ça ne peut plus bouger tellement qu'elle est lourde. Vous voyez la sauce même là. Elle était. Oh, il y a trop d'huile. La sauce même là, elle ne bouge même plus. Voilà. La sauce même là, la voici.
Voilà, le piment il flotte. Là, il va mettre ici le piment. Le piment. Il n'a qu'à flotter, mais après il va me sentir. Je vais le retrouver. Ouais, le riz est bien. Et il pense que nous, c'est chasser vraiment les démons. Voilà, donc le riz. Voilà. Voilà. On finit de chasser les démons. On doit s'occuper de nos femmes. Elle est trop précieuse, celle-là. Faut arrêter d'être privé là. Bon. Je tenais à vous saluer. Que cette semaine soit pour vous une semaine de gloire. Que la main de Dieu continue de se manifester dans votre vie. Que la main de Dieu continue de vous bénir, qu'elle continue de vous assister. Ah! Ah! Il y a un gars qui dit, lui sera demain dans la cuisine. C'est très bien ça. Mais il faut faire sorcier encore. Aïdara. C'est super. C'est super. Arrêtez de préparer, de cuisiner les lapins. Je vous en prie. Les lapins, attaquez les poissons. Bon, cette partie-là du film-là, c'est hors caméra. Je suis désolé, mais... Donc, que Dieu bénisse, que Dieu vous fortifie. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la main puissante du Saint-Esprit. Qu'elle continue de vous fortifier. Qu'elle continue de vous bénir. Qu'elle continue, n'est-ce pas, le Seigneur continue d'avoir un regard favorable sur vous. Que le Seigneur continue de protéger votre famille, vos foyers. Que le Seigneur continue de vous protéger. Je l'aime bien. On dit vraiment, j'aime. Mais oui, il est fait comment? Ok, je vais maintenant servir à manger à mon épouse. Elle va manger. Je vais servir. Il faut que je la serve. Tu manges un gros plat ou petit plat? Bah ça, on ne dit pas devant les gens. Hein? Non, ça ne se dit pas. Ça se dit pas, ça. Non, ouais, pas tout. Non, on va pas tout dire. On doit tout voir. Tu ne peux pas tout voir? Tu vois quelqu'un en train de manger, que tu veux l'attaquer en esprit, tu vas avoir AVC. Bon appétit à vous, ouais, à vous les autres. Merci à tous, à vous les odeurs. Ah, okay. Oui. Mmh. Regardez ces odeurs assassinées. Pas gentil. On vous invite très prochainement ici à Lyon chez nous. Hein? Ouais, mais les invités seront triés. M'envoie un invité, m'applaud. Je vous aime vous tous. On aura l'occasion de faire un grand repas ici, inviter tous les enfants spirituels, tous nos connaissances. J'en profite pour saluer le président depuis Marseille. Je salue tout le monde, je salue même mes ennemis. Gros bisous à vous. Si tu n'as pas un ennemi, comment tu vas avancer dans la vie? Et on parle tout le temps en train d'insulter les gens. Il n'y a pas de soucis.
on va te servir. Tu auras le temps de manger quand tu serais là, Denis. Je veux une assiette XXL. Ça n'existe pas ici. Nous, on a S7 comment? C'est S ou M? On a M. Nous, on a assiette M. Parce que tout le monde peut M ici. Ah. Moi-même, là, ma taille a changé. Ma chemise fait maintenant L. J'ai mangé trop de tiglitis. Maintenant, sport. Je suis dans 80, maintenant 87. Ouais, ça va. Je pèse maintenant 87 kilos. C'est bon. Avant, je faisais 104. Hein? C'est énorme. Hein? Bon, la partie du film où on mange, mais on ferme le rideau. On dit, tiens, fais un chocolat, je suis heureux. Il faut aller faire plat là de ta femme. Ouais, je fais trop de sport, c'est bon. Je fais assez de sport, assez de sport. Je fais assez de sport, ils s'en mettent beaucoup. Ça m'aide beaucoup, ça vide beaucoup de choses quoi. Et puis mon alimentation est maintenant gérée. Hein. Je ne mange pas des trucs comme ça. Voilà. Ben, on va juste vous laisser. Je vous laisse. Le temps d'aller servir à manger à ma femme. Il y a des gens même là, c'est dans les difficultés qu'on comprend que. Lui là, pourquoi il a eu dans la vie. C'est sûr. Lui là même, pourquoi même là, je l'ai connu même, pourquoi? Oui, mais ça aussi, et puis ça aide beaucoup, ça forge, ça aide les gens, et puis ça fait avancer les gens, ça permet de connaître toutes les facettes de la vie, les façades de la vie. On attaque les gens importants. On attaque les gens importants, voilà, et puis c'est dans les attaques là, tu vois les vrais amis. Les faux amis vont te fuir comme Pierre, mais heureusement que Pierre s'est ressaisi. Thomas, on n'a plus parlé de nous. Thomas et l'Iscariote. Ben, je vous aime vous tous. Voilà, c'est tout. La vie, on avance. Nous avançons par la grâce de Dieu. Shalom à vous. Je vais faire la table et puis on va manger tranquillement. Voilà. Shalom. Bon appétit. Même si vous n'êtes pas à table. Mais comme vous venez à table avec nous en esprit, attention. On ne veut plus d'inviter un esprit, non. Pas d'inviter un esprit. Vous n'avez pas d'inviter un esprit. Assez de dégâts. Hein? Ouais, parce qu'un esprit là. On ne sait pas à quoi tu viens. Voilà. Tu es venu en esprit, tu vas ressortir en esprit. Je vais te donner l'assiette. Les assiettes, comment les assiettes? Je vais te servir. Je vais te servir. Shalom. Bon appétit, parce que je sais que vous êtes. Je vous invite en esprit, mais ne venez pas ici en esprit. Restez là-bas. Le jour, on va vous inviter. Vrai, vous allez venir. Mais, restez là-bas. Bisous. Ben, nous sommes maintenant à table. Parce que après la cuisine, il faut manger. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire cette grâce de suivre un peu la suite du repas. C'est la suite, non? Il n'y a pas de pot d'échappement, donc il n'y a pas de. Et ils sont trop affuragés. C'est un raccourci un peu rapide, parce que pour fabriquer l'électricité supplémentaire dans le monde, ça va être essentiellement des centrales au charbon. Voilà. C'est quand même pas le moyen le plus propre. Et ensuite, affuirage.com, c'est encore là. De métaux, notamment des métaux rares, on n'a pas sur la planète à disposition suffisamment de métaux. Voilà. Affuirage. Pour aller substituer 1 milliard de. Comment vous voulez la suite? Voici la suite. De deux roues, et ensuite tous les objets nomades.
Voilà, donc. Il ne faut pas imaginer qu'on va tous demain avoir une voiture électrique. Alors, vous dites, nos normes augmentent. Il faut que je te serve le riz, là. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieilles voitures? Bah, moi, on mange comme au bled. C'est vrai qu'on va être un petit peu dur sur le sujet, mais dans notre société de consommation, c'est beau. Et en fait, là, on est dans un système de déduction de biens tellement fragile, tellement coûteux, que finalement, tu laisses la sauce de mettre des primes à la casse pour des véhicules qu'on a jugé pourtant pas trop polluants il y a 10 ou 15 ans, et on force les gens à les charger, on les met à casse. Est-ce qu'on n'a pas créé la voiture jetable? Alors, sinon, on va se dire non, c'est quand même juste à cause du consommateur et du chargement, jeter entièrement une voiture à la poubelle. En fait, on le fait parce qu'on n'a pas la possibilité réglementaire d'aller changer. Voici la suite. À changer le moteur pour un moteur plus moderne. Non, la réglementation ne permet pas. Il faut mettre la voiture à la poubelle ou alors l'exporter. Mais l'ennui en exportant, c'est qu'on a des systèmes de pollution un peu vieillou qui risque d'être déchiqueté. Et là, on va se retrouver. Non, il faut que tu reposes aujourd'hui. Laisse-moi servir. Aujourd'hui, là, c'est un jour. Laisse-moi tout faire. Donc, tu avais plus la sauce. Ah ouais, je préfère cette sauce-là. Elle est super. Rien à dire. Je préfère ça que la sauce de Jasmine. Ah. Bah, oui. Ah, la sauce prophétique, elle a fait. Elle a bien réussi. Il m'en a mis la sauce de ce matin. Non, je banalise pas, c'est une préférence, donc je préfère celle-là. Ouais. Elle était bonne, mais celle-là, elle est meilleure. Ok. Aujourd'hui, dans nos vies privées, quand même. C'est terrible, quand même. C'est vous qui avez dit la suite. Faut pas que cette suite là. Les narines. C'est pas des congestions. C'est ce qu'ils ont dû chercher. La viande. Ah, la viande. Mmh. J'ai un peu de semaine. Ouais. Ouais, donc, on entend manger. C'est terrible, hein? Elle est superbe, c'est ça? Être prévoyant. Vous venez de regarder la météo avec PFG Prévoyance. Faites prévoyance en ligne sur PFG.fr. Dans nos narines. Bah oui, c'est ça. S'il vous plaît. Ça, c'est quand même... abusé. Bah oui. Hum? Moi, je vois les gens. C'est... Express Orient, présenté par Nadine. Non. Qu'elle fait plaisir aujourd'hui. Ok. Non, laisse-moi mettre dans ta bouche. C'est vous qui vous... Juste un peu. Hein. Juste un peu, c'est tout. Il faut faire à comble le bébé. Mais c'est trop. C'est trop. Après, je pourrais pas. Voilà. Tu vas pas avaler. Il faut faire comme le petit coin, mais qui a gros ventre. Lui, ça a la main. Si tu appuies, tu l'avales la clé. Il a tout de trop mangé. Tu l'avales la clé. Moi, non. Petit
quoi, mais la liberté. Une cérémonie de la grande guerre. Emmanuel Macron va rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. 200 000 soldats ont été mobilisés. 30 000 sont morts pour la France. Non, laisse-moi te parler. Bienvenue, les Américains se mobilisent. La participation s'annonce excellente pour ces victoires 2018. Déjà, 36 millions de bulletins ont été déposés. Mais pas trop, pas trop. Non. Faut pas qu'on me coiffe, mais depuis quoi, mais c'est un moment. Elle est en train de donner à manger, elle n'a pas fait la gâche, elle n'est pas. Elle est plat, là. Mettez la main, moitié. Au village, c'est terrible. Hommage aux femmes du village. Cette élection de mi-mandat s'annonce comme une bataille politique sans précédent entre démocrates et républicains. Tu sers trop, cher. Il faut que tu manges. Bon, je te laisse manger. Obtenir une majorité de 218 sièges minimum. Les démocrates pourraient sortir le rétin de 2. Exactement, les Américains ne votent jamais pour la majorité. Aujourd'hui, on vous accorde de rentrer dans notre privé un peu. 66 sièges pourraient basculer d'un côté à l'autre. Au Sénat, les républicains disposent d'une courte majorité. Sur les 100 sièges, seuls 35 sont renouvelés. Mais ici, le match. Vous avez demandé la suite. Voici la suite. Les républicains se mentent. Une élection cruciale pour le camp républicain avec un enjeu simple, empêcher les démocrates. Merci. Vous devez voter républicain au Sénat et à la Chambre pour que nous continuions ce mouvement incroyable, le plus grand mouvement de l'histoire politique. Pour les postes de gouverneur, en revanche, les républicains sont en position de faiblesse. Ils devront tenter de faire élire leur candidat dans 26 États. Les démocrates, eux, ne doivent défendre que 9 sièges. Chacun va tenter d'élargir son emprise au niveau des États. La couleur politique des gouverneurs pourrait influer sur la composition de la Chambre des représentants. Faut qu'elle mange bien. Pourrait changer l'équilibre politique à Washington et surtout. Les hommes rentrent demain à la cuisine. Allez faire des beaux plats, vos femmes. Selon les États, les électeurs ont plus ou moins de bulletins à remplir. Exalétalin s'est glissé dans la peau d'un Américain dans un bureau de vote. On la retrouve à Arlington. On s'est rapproché de ce fameux bureau pour vous donner une tendance et un sentiment, un premier sentiment. C'est là depuis l'ouverture du bureau de vote ici à Arlington. Il y a beaucoup de monde qui se déplace pour voter malgré la forte mobilisation. Déjà, je vous disais à l'instant. Par le vote par anticipation. Alors concrètement, comment cela fonctionne? Les électeurs entrent par cette porte que vous voyez juste derrière moi, suivent un fléchage au sol, se présentent au premier bureau de contrôle d'identité, puis le second bureau, celui où on vous remet ce bulletin. Deux feuilles de documents avec beaucoup de choses inscrites dessus parce qu'il y a nombreuses élections qui ont lieu aujourd'hui, la Chambre des représentants, le Sénat, les gouverneurs, les élus locaux, des référendums, 660 en lieu avec des questions qui sont donc ok, merci, mais c'est beau à voir. Bien, j'ai gratté. Le finish, c'est la validation de ce bulletin par une boîte électronique, c'est le fameux scanner. Vous rendez ensuite à l'issue de ce vote ce fameux autocollant. J'ai voté à Arlington, un sticker que chacun des électeurs qu'on a croisé ici, croyez-moi, adore. Wow. Pour finir, il y a un nom sur ce. Chez nous, ton malheureux, il n'y a pas de gratin. Quoi laisser? Démocrate, nous sommes ici dans un fief démocrate, c'est la couleur bleue qui l'emporte. Ton malheureux gratin, que c'est bon. C'était, souvenez-vous, que l'issue de Hillary Clinton en 2016, c'est lui qui aurait dû devenir le vice-président des États-Unis. Et Donald Trump a voulu dans la campagne de son meilleur. Non, gratin. Vous laissez sur sa kiké pour peut-être pas là. Ben, tu as fait une sauce à kiké. Il en a fait un argument imparable. La bonne santé économique du gouvernement, un bilan partout, ça relâche. Mais quand tu finis de manger, il faut aller dormir après. Franchement, il faut dormir parce que toi, tu aimes trop travailler. Travaille, faut
dormir. Aujourd'hui, laisse mon travail. Fais la vaisselle, fais tout. Avec seulement 3,7% de la population active. Tu parles de cette chose-là. Le chômage est en effet. Tu vas rendre témoignage. Même si le nombre de travailleurs pauvres reste important. Ce quasi plein emploi. Ah, merci, Yadi, mon mari et moi, te souhaitons bon appétit. Merci. En 2016, il pourrait dépasser les 3% en 2018. Des chiffres dont Donald Trump ne cesse de se vanter. Il cite notamment les mesures qu'il a prises en matière de dérégulation, rappelant les normes supprimées au niveau bancaire et environnemental, ou encore sa politique de hausse des dépenses publiques et sa réforme fiscale. Mais ces mesures n'auraient fait en réalité qu'accélérer la reprise de l'économie américaine, déjà enclenchée sous Barack Obama. Et leurs effets devraient bon. S'estomper dans les mois à venir. D'après le FMI, la croissance économique va commencer franchement, à il te respecte. Il faut que tu manges bien. Pour attendre. Oui, franchement. S'il vous plaît, pour le respect que j'ai, je dois à mon épouse. Ce n'est pas dans mes habitudes. On a voulu juste vous partager quelque chose, mais c'est franchement un bisou aussi de ma part. Cette grande dame, elle mérite d'être à l'aise qu'elle mange. Moi, vous pouvez rien amener, il n'y a pas de souci. Je suis censé protéger ma femme, c'est important. Il faut qu'elle mange bien, parce que faut qu'elle mange. Donc, bon appétit en esprit. Continuez de manger en esprit, mais ne mangez pas l'autre viande là. Si vous mangez l'autre viande en esprit, vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Si vous attaquez les gens en esprit, vous aurez le problème avec leur propriété que l'Éternel. Voilà, il faut que tu manges, franchement. Je coupe la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Il est ici. Il représente 4 tirailleurs sénégalais et un officier français réunis autour du drapeau français. Oui, shalom. Il a